Normalement, Matamanta. Merde. Je crois qu'on a tout fait. Donc pour les Gorons, hein, je vous rappelle qu'il faut faire des assemblages sur les murs là. Qu'est-ce que je fous? Je suis vraiment pas réveillé. Enfin, pour être réveillé, faut avoir dormi. Là. Alors. Je crois que c'est là. Je sais plus si c'est là ou l'autre à côté. C'est là, j'en suis sûr. Bon, ok, c'est à côté. Non, mais j'en étais sûr. Après, c'est parce que j'en suis sûr que j'ai raison. Hein. Ok. Donc, on va aller là. Il est vraiment trop bien le papillon pour creuser plus vite. Ok. Ah mais c'est compliqué, il y a deux pièces. Je suis pas très bon en puzzle. Vérifier un truc avant. Bon, ça ouais. Y'a rien d'autre par là. Si, y'a le frère de Tingle. Attendez. Non, c'est par là. Ouais, il y avait lui que j'avais pas fait.
on avance. Alors là il y a une petite astuce pas mal. Pas là, hein. Non ça c'est déjà fait, ouais. C'était un quart de cœur, on l'a déjà fait. C'est près de chez nous. Si vous creusez. Si vous creusez ici, il y aura toujours un rubis rouge. Je vous montre hein, la preuve. Voilà, donc vous pouvez avoir les rubis 20 par 20 ici. Très bon endroit pour farmer les rubis. Ok, ce conseil. C'est pas quoi faire, sur toutes les touches. Alors, colline de l'Est. On va aller aux collines de l'Est. Oui, c'est un assemblage fixe. Donc entendons-nous bien, hein. Quand je dis fixe, c'est-à-dire que c'est toujours le même assemblage avec ce même perso. Et quand je dis un assemblage partagé, c'est qu'il y a plusieurs persos qui peuvent l'avoir. Hein. Qu'ils partagent, quoi. Donc lui, il est fixe. Comme tous les trucs de haricots, comme ça d'ailleurs, qui poussent dans le ciel. Alors je crois que lui il est fixe aussi. Je crois que c'est toujours lui qui l'a. Putain, c'est impossible d'esquiver, j'essaie d'appuyer sur la touche juste après et...
Ça, c'est encore et toujours la quête des Gorons. Ah, donc plus qu'un et on aura fini la quête des Gorons. Ils disent attendons l'arrivée d'autres Gorons et ils tapent comme des bourrins. Ça sent vraiment bon, ce qui vous dépierre, mais dans ce cas ça sent bon partout. C'est trop bizarre, c'est que leur dé le décor de la grotte où il y a les Gorons, il y a des têtes de Gorons dessus. Ils n'ont pas le temps de péter le mur, mais dans le temps de tailler des têtes de Gorons dans le mur. Vu qu'on a plein d'argent. Alors ça redonne tous les PV, donc c'est même mieux que l'effet. Parce que l'effet ça récite, mais ça donne pas tous les PV. Si on utilise une potion rouge juste avant de mourir, c'est comme si on avait une deuxième vie, donc c'est beaucoup mieux. On va même balancer l'amulette de Dean. L'amulette de Dean elle permet de faire deux fois plus de dégâts, il me semble. Enfin, de faire plus mal en tout cas, ça c'est sûr. Putain, y'a plein de cœurs ici. Attendez, je vais pas la gâcher. Alors lui il a deux assemblages fixes. Ah le con. Bah c'est pas fixe là. Putain je crois pas. Y a un truc normalement une grotte pas loin. Là là. Pas celle-là. Celle d'en haut. Et on pourra croire que j'ai pas préparé la vidéo, hein. Mais si, si, je vous assure, je l'ai refait plusieurs fois. Mais c'est le bordel, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fragments. Hein. Il me restait 35 à faire là, pour vous dire. Plus les quarts de cœur. Marrant les murs, j'ai toujours l'impression qu'ils nous demandent le fragment qu'on a le plus. Je sais pas si c'est une impression.
Voilà, c'était le dernier. Ah, il est vrai que j'aurais pu plus optimiser mes assemblages pendant le jeu. Mais c'est compliqué, franchement, de... C'est compliqué parce qu'il y a les persos qui arrivent, d'autres qui partent, faut faire les fragments au bon moment. Au début, on en a pas beaucoup. C'est le bordel, quoi. On va retourner au village des Minish parce qu'il doit y avoir pas mal de trucs à faire. Je vais juste vérifier avant si on a des nouveaux trucs. Non, je crois pas. Ok, on va y aller. Comme ça sera plus rapide. Normalement, lui, il donne pas de fragments. Alors là, c'est le bordel, hein. Il y a des mini-jeux, des fois ils donnent des assemblages, des fois non. Donc lui, il en donne pas. On va être obligé de faire tout le village. Hein. Pour l'instant, j'en ai aucun. Aïe aïe aïe. Ceux-là, ils en donnent jamais. Peut-être le prêtre. Non. Alors tout à droite, près de l'eau, y a un mini-jeu qui fait des assemblages. Mais que quand on avançait encore un peu dans le jeu. Donc pas là. Ce sera plus tard lorsqu'on aura la dernière épée du jeu. Je crois que j'ai déjà fait ça, ouais. Pas l'espèce de tonneau là? Ah, c'est là. Ça c'est déjà fait. Moi je crois qu'on a tout fait. Au moins qu'il y en a un dans le coin là. Non, je crois pas. Non, y a rien là. Ok. Ok, bon, forêt de tyrolienne, normalement on a tout fait. Alors là, c'est tous des assemblages fixes, je crois. Je les ai déjà fait quand j'étais là, je sais pas si vous vous rappelez. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'il y en a qui en ont deux. Et j'avais oublié. Du coup, j'ai pas fait le deuxième à chaque fois.
Putain, je me rappelle pas de ça, c'est quoi? Un monstre? Ah non, un coffre. Bizarre. On doit être à pas mal là. Merde. J'aurais appuyé sur la touche. Je commence à être en manque de fragments là. Puis c'est chiant parce que chaque fois ils nous remettent des trucs à des endroits où on est déjà allé. Lui c'est un assemblage fixe. Super important ça. Bon, du TTK en haut, un quart de cœur comme d'hab. On est quand même retourné pour voir. C'est vrai que j'ai pas fait d'aller retourner. Normalement eux ils en donnent qu'un donc. Je crois qu'il en donne pas à lui, ouais. Franchement, plus je regarde cette vidéo et plus je me dis, j'aurais dû mieux faire le jeu et faire les fragments au fur et à mesure. C'est trop le bordel en fait. Je sais pas si c'est très intéressant à regarder, mais bon. J'ai envie de faire 100%, je fais 100%, qu'est-ce qu'il y a? Ok. On doit être à moins de 20... de 20 assemblages restants là. C'est sûr. C'est pas très fun à regarder je pense de voir des assemblages comme ça. Mais par contre c'est super agréable quand on le fait. Juste
dire putain je suis en train de compléter le truc. Non, je sais pas, moi je suis un complétiste de toute façon. Je peux pas comprendre. Je rigole. Alors. Eh merde. Je pensais qu'il en donnerait un. Mais... Merde, c'est où? Ah, c'est là. Merde, je le fais. Mais oui, je suis bête. Mais je suis con, quoi. Je suis un boulet. Je suis con, je l'ai fini avec des grands. Qu'est-ce que je fous? Mon dieu. Putain, je dors sur place, quoi. Bon, par contre, faut aller chercher le quart de cœur de Melta, là. Ah, plus que deux cœurs. Sachant qu'il y en a un, il sera entier. Donc il n'y a plus que 4 quarts de cœur à les récupérer. Dont un qui est dans le jardin d'Hyrule, du château. Vous savez, j'avais enlevé l'eau à droite. Avec un assemblage. Et je suis jamais allé... Putain, mais toi, mais... Et je suis jamais allé le chercher après. Elle est là, c'est... Je pense que c'est le monstre doré le plus chiant lui. Merde, il est où? Je cherche une peste marchande qui est normalement dans le coin. Ah. Et merde, elle a pas de fragment non plus. Bon, bah écoutez. Je crois qu'on va aller chercher Goron et puis on va s'arrêter là. Parce que là je vois pas trop ce qui nous manque du coup.
Peut-être lui. Non. Ah, je sais pas combien j'en suis là, mais... J'ai dû en faire un paquet quand même. Donc une fois que vous avez fini tous les gorons là, c'est-à-dire que vous avez cassé le mur à 6 gorons, vous prenez cette tornade, vous allez au max possible en haut à gauche. C'est important d'aller bien haut, parce que vous allez voir, quand vous arrivez là, vous allez un petit peu vers le haut et comme ça, ça le Link monte. Donc vous arrivez dans la grotte des gorons. Voilà, vous obtenez le dernier flacon. Et deux derniers assemblages de goron. Donc celui-là, qui donne un fragment du bonheur, je crois. Ah bah non, non, c'est le vendeur. Ouais. Voilà, donc là on voit un nouveau marchand hein, sur le seul emplacement qui restait du marché, en haut à droite. Il vend des... Il est où l'autre? Merde. Quoi? Mais c'est bugué ou quoi? Normalement il y a un des autres gorons. Putain c'est pas possible. Qui nous permet de rencontrer Bigoron. Alors allez savoir pourquoi il veut pas. Ce que je vous dis hein, les fragments, vu que j'ai fait trop de fragments avant en fait, ben il y a plein de persos qui donnent pas de fragments. C'est lui normalement. Bon bah j'en sais rien, c'est pas normal du tout. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va juste faire un petit tour. Donc ouais, comme je vous disais, les assemblages fixes, on les a toujours, mais les autres, c'est un peu le bordel, quoi. Je veux juste voir Tingle pour... Non mais je sais où il y en... je peux en avoir un autre. C'est pas là hein. C'est pas là, donc voilà le nouveau marchand. Normalement là à droite, il doit avoir un mini-niche. Ah merde, c'était où déjà? Là. Normalement lui il va me permettre de faire un assemblage. Yes. Voilà, voilà. On va retomber pour en voir au cas où. Non. J'ai pas fait exprès. Bon, bah on va aller voir Tingle, tiens, pour voir. Pour voir où on en est. Je pense qu'on est pas loin du. Allez, je dis qu'il en reste, allez. Moins de 15. Peut-être même moins de 10. Parce que là, franchement, on est bien. Y'a pas quelqu'un qui veut faire un assemblage là? C'est incroyable.
Plus que 6. Yes. On y est les gars, on y est. En plus j'en connais au moins 2. Ouais, je pense qu'on y est. Ok, bah écoutez, plus que 6 fragments. De toute façon là on va devoir avancer dans l'histoire pour faire la suite. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous a pas trop saoulé. Elle est super longue. Elle sera sûrement coupée en 3 parties, je pense au moins. Et puis bah je vous dis à la prochaine. On va avancer un tout petit peu dans l'histoire. Histoire de récupérer la dernière épée et pouvoir tout débloquer. Et terminer les derniers fragments. Et puis les dernières figurines avec les coquillages, je vais les faire en vidéo. Je vais en laisser juste une pour montrer ce que ça fait quand on les a toutes. Voilà, allez à plus.